Non, là, la vérité, c'est trop. Et la mère de X, Cléopâtre, comme t'as pu le voir dans le titre, non, c'est pas une fake news, c'est vrai, il y a une vidéo et je vais vous expliquer. Je remercie un de mes abonnés qui m'a envoyé cette news, il m'a dit « Salut Blacky, je me permets de te DM car j'ai vu que pour la sortie du nouvel album de XXXTentacion, qui est déjà assez irrespectueux étant donné qu'il est mort, sa mère a autorisé l'exposition de la voiture où il est mort, donc là je trouve que ça dépasse les limites de l'irrespect. C'est grâce à lui que je sais cette news et quand j'ai vu ça, il était genre minuit tout ça, j'étais en mode « Non ». Non, la daronne, elle a pas fait ça quand même. Pendant 2 minutes, j'ai bégayé dans ma tête, j'étais outré. Comme d'habitude, tu me dis en commentaire ce que t'en penses et tu lâches un pouce bleu. Vous savez que l'album de XXXTentacion, Bad Vibes Forever, est sorti très récemment. Il est sorti il y a 2 jours. Et qu'est-ce que la mère de X a eu l'idée de faire? Elle a décidé d'ouvrir un musée éphémère à Miami, à son hommage. Ça veut dire que dans le musée, tu peux retrouver plusieurs choses, comme des vêtements, des photos, des tableaux, des récompenses. Ça, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais les gars, il y a aussi sa voiture. Et XXXTentacion, les gars, il est décédé où déjà? Dans sa voiture. Donc, ça veut dire dans le musée, il y a la voiture où X est décédé. Même s'il n'y aurait pas eu la voiture, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée de faire un musée pour X? Là, les gars, si vous me dites qu'elle abuse pas de la mort de son fils, je sais pas. Quelle mère dans le game a fait ça? La mère de Lil Peep, elle a pas fait ça. Elle a pas ouvert un musée. Ok, peut-être, il y a eu des merch de Lil Peep, il y a eu des albums posthumes, il y a eu des documentaires. Là, tu vois, tranquille. Mais là, le musée, non. Wesh, le musée, c'est abusé. En plus, ça rime. Et tu te doutes bien que le musée, il est pas gratuit. Ben non, frérot, faut payer pour entrer. Ah là là, franchement, les ricains, ils m'étonneront toujours. Jamais j'aurais pensé que la mère de X, elle aurait fait ça. Je dirais pas qu'elle a faim d'argent par respect pour X, t'as vu. Mais elle va trop loin. Les gars, elle va vraiment trop loin. En fait, tu auras quoi plus tard? Là, c'est sûr qu'elle a fait ça pour la promo de Bad Vibes Forever. Mais quand le documentaire de X sortira, elle va faire quoi? Elle va faire quoi? Elle a tout fait. Elle a ouvert un musée, putain. Est-ce que vous vous rendez compte? Elle a ouvert un musée. Est-ce que vous vous rappelez de cette news que je vous avais sortie? Que la mère de X avait fait une collaboration avec une marque d'eau où il y aurait eu le visage de X dessus. C'est quoi le putain de rapport avec X? Une bouteille d'eau? Je sais pas, ça va être quoi le prochain truc, mais bref. En vrai, moi, si j'étais la mère de X, déjà, j'aurais jamais mis la voiture où mon fils est décédé. Non, mais vous imaginez, t'as mis la voiture où ton fils est décédé dans un musée. Non, mais qui a envie de voir ça? Qui a envie de voir ça? Qui a envie de se rappeler de cette mort? Après, le reste en soi, c'est pas mauvais. Tu vois, des tableaux, des vêtements, des photos, ça, ok. Mais la voiture, franchement, la voiture, ça passe pas du tout. Et aussi que tu dois payer pour entrer dans ce musée. Moi je trouve ça mal ça. Moi franchement j'aurais mis ça gratuit et genre j'aurais mis ça pendant une période limitée. Ça veut dire si vous voulez vraiment voir ce musée, genre dépêchez-vous. Et moi j'aurais fait ça gratuitement, t'as vu. Comme ça les fans ils auraient pu voir les vêtements préférés de X, des photos de lui quand il était plus jeune. Mais mettre ça payant et mettre la voiture, ça c'est trop loin. Dites-moi dans les commentaires ce que t'en penses, si t'es d'accord avec ce que la mère a fait ou si vous êtes pas d'accord. Vous avez le droit d'être d'accord et de pas être de mon avis. Moi j'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Bref, à la prochaine les gars pour de prochaines vidéos. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. Ooh. On my dick, she like a Lego, never Lego. Yeah. Hold my stuck up on me, so I call the Velcro. Yeah. Killer, demon, the damn open the hoe. Hit my metro if it's about the pencil. Yeah. Like it's go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick, extendo bitches in the back, just like a fucking echo. Ay, that bitch told me you got pencil dick. Ooh. She grip on my dick like a selfie stick. Yeah. I got a big gun, I need help with it. Yeah. To wet your babe up, Michael Phelps with it. Hell.